Coucou tout le monde, je suis en train de tester une autre forme de boule avec les dies de Karen Burnstone. Voilà. Ah tiens, j'ai pas décoré ce côté-là, mais de toute façon j'ai mis aucun décor, hein. Il faudrait voilà mettre ou des textes ou des images ou faudrait faire quelque chose quand même, hein. Moi j'ai fait le minimum syndical. Donc vous l'ouvrez. Hop, hop, et voilà. Regardez comme elle est mimi. Mais elle est trop belle. Bon, il y a juste un peu la tige là qui se relève pas parce que j'ai pas mis de système pour qu'elle se relève. Mais bon. Voilà. Et elle n'est pas fixée à la carte, hein, et donc elle jaillit. Je vais voir, je vais tester d'en faire deux pour voir si ça marche. Comme les cubes sauteurs. Alors, on l'ouvre et elle jaillit. Voilà, donc du coup la tige se défait pas beaucoup, mais c'est pas grave. Voilà, et elle est trop mimi. Et pour faire celle-là, il y a besoin d'acheter qu'un seul die, hein. Tout le reste est fait à la main. C'est pas bien compliqué, hein. Voilà. Voilà ma dernière carte. Mais quand on la libère. Ah oui, si, elle jaillit, hein. Attendez, bougez pas. Bougez pas. Ah, si je mets la queue en dessus, la queue, on va dire la tige parce que je vous sens venir. C'est ça qui s'ouvre pas bien finalement. Et si je mettais pas ça, je fais des essais en fait, moi. Hein. Si je mets pas ça, quand on l'ouvre, ouais, c'est trop bien quoi. Faut que j'en mette deux pour voir si les deux s'ouvrent. Peut-être je vais en mettre une grande et une petite. Ou... Non, parce que je crois que je l'ai fait assez petite, ma carte. Donc, je vais mettre deux petites, c'est pas grave. Mais voilà, elle est franchement trop mimi. Je suis en train de même de me demander si on est obligé de les faire sauter. Je veux dire, si vous faites un repas d'Halloween, franchement, ça au pied de l'assiette avec... j'ai pas de papier. Avec ici une petite étiquette et le prénom de l'invité au pied de l'assiette, c'est trop mimi, quoi. Franchement, bon, l'étiquette est un peu grande, mais voilà. C'est trop beau. Bon, ben, je vais en faire d'autres. Si elle vous plaît, celle-là, je vous la ferai en tuto. Mais sinon, c'est le même principe, hein. Ici, j'ai simplement découpé en deux. La forme d'en haut pour pouvoir y glisser la queue qui a deux petits onglets là de collage d'un centimètre. Ça, c'est un petit bout de papier découpé et tournicoté. Je l'ai tourné autour de tournicotis, tournicoton, zébulon. Oh mon Dieu, c'est vieux ça. C'est même avant moi. En tout cas, je n'avais pas encore la télé à l'époque. Je l'ai vu bien plus tard. C'était quoi? Le manège enchanté, Pollux. Tournicotis, tournicoton. Donc, je l'ai vu en rediffusion quand j'étais bien plus grande. Voilà. Donc ça, c'est juste un bout de papier. Ça, c'est une partie du die, mais je ne sais pas lequel. Je ne sais pas si c'est une partie du grand ou du petit. Mais enfin, hein, pour faire cette forme-là à la main. Voilà. Les sourcils, j'ai essayé de les faire. Ce n'était pas possible. Donc je les ai dessinés au feutre. Et puis ça, c'est vous faites comme un haricot avec un petit rond ici. Ça vous fait les yeux. Vous pouvez aussi faire les citrouilles avec les. La bouche, vous savez, comme quand elles sont découpées au couteau, là. Voilà. Vous décorez bien votre citrouille comme vous avez envie, hein. Alors, j'ai pris ce modèle. Par contre, j'ai pris plein de modèles sur Pinterest. Et du coup, sur Pinterest, ils ne mettent absolument pas les photos, les noms avec les photos. Donc, du coup, je ne sais même pas qui a créé ça. Mais je vais chercher, je vais le trouver. Voilà. Voilà. Donc la prochaine fois, je vous mettrai les photos dont je me sers pour faire mes bestioles avec autant que possible le nom de la personne qui l'a fait. J'espère que c'est la première qui l'a inventé, parce que ça, j'en suis pas toujours bien sûre. Mais voilà, autant que possible. Ça marche, hein? J'arrive pas à mesurer de combien elle saute. Attendez, j'essaye de vous le dire. Elle saute d'au moins 10 cm, hein? Ah oh ouais, elle saute bien d'au moins 10 cm. Elle saute au moins plus haut qu'elle-même.
plus haut que sa hauteur. Ce qui est quand même déjà pas mal, parce que moi je saute pas à 1,68 m. Hein. Voilà. Bon, je vais arrêter de l'admirer, elle est trop jolie. Alors évidemment, il faudrait décorer là, hein. C'est tout très moche, tout vite fait. C'était juste pour avoir une boîte, pour voir ce que ça faisait de l'avoir comme ça, qui s'ouvre à deux pans. Je ne voulais pas faire dans une carte qui s'ouvre qu'à un pan, parce que je me suis dit, ça va pas sauter assez loin. Vous voyez? Hop, je vous montre. Démonstration. Alors, on va tester hein, si ça saute assez loin. On va tester. Si on la met dans une carte comme ça, qu'est-ce qui... Bon, évidemment, déjà, il faut la fermer, la carte. Et quand on l'ouvre, voilà, ça saute pas. Le couvercle nous gêne. Alors que là... Pourtant, mes couvercles, là, ils sont lourds, hein, puisqu'ils sont doublés intérieur-extérieur. Mais ils sautent. Il y a un couvercle qui ne s'ouvre pas complètement, parce que comme elle est petite, elle a tendance à s'échapper d'un côté, à ne pas faire ouvrir les deux. Voilà. Elle est trop belle. Je vais vous montrer ça, je vais vous mettre le tuto, non c'est pas comme ça, c'est comme ça, et puis ça du coup ça serait peut-être mieux de l'enlever parce que ça la bloque. Non, ça la bloque pas, ils restent là, ils servent à rien. Alors pourquoi pas les laisser, parce que comme ça quand on offre la carte on voit rien là. Et puis, ça tombe pas. Vu que celle-là, elle n'a pas de brade qui la maintient au sol, clouée au sol, vissée au sol. Et alors là, c'est marrant, la carte, elle met 2 heures à s'ouvrir. On va attendre tranquillement. On dirait un portail automatique, mais un peu au rabais, quoi. Qui met 4 plombes à s'ouvrir. Oh là là, là, elle est montée à 20 cm, la bestiole, quoi. On va voir si elle arrive à faire mieux Croco si Freddy. Bon, allez, j'arrête. Bonne nuit, bye bye, à bientôt. Non, mais je vais pas encore me coucher, il est 7h30, ça n'a pas la tête. J'ai très mal au dos, mais je vais voir si j'arrive à scraper encore un peu. Bye bye, à bientôt.